Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo donc, qui devait arriver bien après avoir reçu mon colis. Donc là, j'ai reçu un premier colis de chez Menwaka. Donc merci à Thibaut. Donc voilà, avec le Chronos chez Goodfellas Mine. Donc je l'ai reçu ce matin même. Avec, j'ai reçu le Samson T2 en synthétique. Donc, une très belle touffe. Donc j'ai déjà fait le rodage. Et comme hasard, donc ce sera un peigne ouvert, donc mon tout premier, et ce sera avec le Fatip Piccolo. Donc voilà, la petite boîte. Je suis assez content. Donc voilà à quoi ressemble le savon. Il sent super bon. Donc dedans, j'ai vu, donc c'est un triple mélange formule végétale AJ-1. Donc je crois que ça doit être la première formule. Avec de l'huile naturelle certifiée d'argan, de jojoba, de noix de coco et d'amande douce. Donc il sent super bon. On sent assez bien le jojoba, je trouve. Donc voilà, je remonte un petit peu. Voici le Chronos. Donc franchement, il a l'air super bon. Et pour tous ceux qui m'ont déjà demandé sur Insta où je mettais mes lames usagées, voilà, j'ai récupéré mon ancien pot de Wilkinson. Donc le Wilkinson Sword. Et je mets toutes mes lames dedans. Ça reste en sécurité. Je vais faire le prélèvement du savon et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, je l'ai monté vite fait au bol. Donc voilà, j'ai pas mis énormément pour dire pas faire trop de gaspillage. Franchement, ça monte tout seul. Franchement, ouais, ils sont super bons. Hop. Donc, tout seul. Peut-être retirer les écarteurs quand même. Hop. Donc j'ai pas vu beaucoup de français le présenter en vidéo. Donc ça tombe bien. Je crois que j'ai même pas vu du tout un seul français présenté, donc il faudra que je revérifie ça. Tout seul, moi. Rodage, j'ai pas encore terminé pour la brosse. J'ai perdu quelques poils, mais bon, c'est normal. Que c'est super bon. Petit piccolo avec une lame derby extra. Donc, peigne ouvert, c'est mon tout premier. On va voir ça. Déjà un peu plus agressif. Hein. Mais ça va, il reste assez doux quand même. Ouais, il est beaucoup plus agressif au niveau du cou, c'est dommage d'un côté. Le son, ça va, c'est vrai qu'il est nickel. Bon, après, on va voir comment il est tout petit. C'est bien, et en plus il y a un certain poids, donc c'est aussi bien aussi pour le maintien. Besoin d'appui comme un bourrin dessus. Mais franchement nickel, même le bureau franchement il est top. C'est mon premier Simpson en plus, donc
Bon, le prix il est vraiment top. Une très bonne glisse. Crois que j'ai pris un petit peu trop. En tout cas, je remercie Hugo, franchement, c'est un super savon. Donc, son lien il sera dans la description. Donc, voilà, j'ai reçu aussi ce savon-là, le Martin Fleury. Non, le Marin Fleury, excusez-moi. C'est vraiment un super savon aussi. Je viens de le sentir, ils sont super bons aussi. Autre sens. Ça tient pas trop la peau. Bon, quand même. Tu es comme ça plutôt. Ouais. Un peu trop agressif pour moi, par contre. Voilà. Ça c'est un très bon rasoir. Voilà. Bon, quelques points de sang, mais ça c'est normal. Vais rincer tout ça, on se retrouve tout de suite après pour la suite. Donc voilà, terminé. Bon, j'ai quelques points de sang, mais bon, ça je m'en serais douté avec un rasoir à peigne ouvert. J'ai une peau assez sensible. Mais bon, ça va, c'est pas. Ça va quand j'ai eu pire. On va voir du coup avec une autre lame si ça ferait la même chose ou pas. Je pense que là, c'est la lame qui irait pas avec le rasoir. Donc là, je vais nettoyer le Simpson T2. Et franchement, ouais. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une bonne brosse. Est-ce que ça va détrôner Miyaki? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. En tout cas, pour l'instant, je le mets, on va dire, à ex-aequo. Pour le Fatigue, pareil. Comme c'est à peigne ouverte, c'est le premier que j'ai. Je peux pas le comparer avec mes autres rasoirs parce que c'est tous des peignes fermées. Mais franchement, c'est un très très bon rasoir. En plus, voilà, ils sont faciles à nettoyer. Donc voilà, c'est le peigne ouvert. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je sais pas si on va le voir. Mettre sur le bon côté. Voilà. Pas type. Et voilà. C'est vraiment un très très bon rasoir. Plus, voilà, comme je vous l'ai dit, il se nettoie super facilement. Le capot, franchement top. En plus, je crois qu'il venait juste de les recevoir. Donc, c'est vraiment sympa de sa part de les avoir envoyés aussi rapidement.
N'hésitez pas à aller dans la description, il y aura son site ainsi que mon code promo qui va avec. Donc Razashtrad en minuscule. Vous bénéficierez de 10% sur votre commande, hors promotion bien sûr. Donc tout ce qui est article en promotion, vous n'aurez pas la réduction dessus. Et hors frais d'envoi. Donc la lame, ouais, Derby Extra. Donc soit c'est la lame que j'ai trop utilisée, donc je crois que je vais être à 4-5 rasages avec. Donc je pense que je vais devoir la changer. Soit c'est la lame qui va pas du tout avec le rasoir. Ou alors j'ai une peau trop sensible pour les peignes ouvertes. Là j'attends justement ma commande qui devrait arriver d'ici peut-être demain ou après-demain. Donc qui vient de chez Art du Barbier. Donc j'aurai d'autres trucs dedans donc, que je pourrais vous présenter. Donc je vous ferai une vidéo globale de toute la commande. Ainsi que les produits que je viens de recevoir de chez Menogar. Donc voilà. Le Martin Fleury par contre ouais, ils sont super bons. Franchement, petite touche florale. Donc dedans, vous avez, pour vous dire de bêtises, bah, l'huile de coco, le karité, je pense. Bah, je sais pas si d'autres choses derrière. Voilà, j'arrive pas à voir. Donc des extraits de fleurs, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de tenteurs florales dedans. C'est un très bon produit, donc fait par Marin Fleury, donc je pense que c'est Thibaut qui doit le faire. Donc voilà, Menwokar qui est ici. Vous aurez aussi le lien de Art du Barbier donc, et de Goodfella Smile. Donc avec mon autre code promo que j'ai avec Goodfella Smile, j'ai pas encore avec Art du Barbier comme je le précise à chaque fois. Mais bon, je pense que ça ne serait que tardé. On est déjà 66 abonnés sur cette chaîne. Si on peut arriver au niveau des 100 abonnés avant, on va dire avant juin, juillet. Ce serait pas mal pour lancer le premier jeu concours sur cette chaîne, pour vous faire gagner un coffret de rasage ou quelque chose comme ça. Donc ce sera sûrement en partenariat avec Memoka, je pense. Je sais qu'il y a pas mal de coffrets de rasage qui sont de bonne qualité, qui ruinent pas non plus les gens. Donc voilà. Retrouvez dans la description tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, etc. Il n'y a pas de souci, on est déjà, je crois, 250 sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre. Il y aura pas mal de nouvelles par la suite sur ce réseau social. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé, donc basé sur rasage traditionnel pour tous. Donc tout sera dans la description, bien évidemment. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur Instagram et Facebook pour répondre à une prochaine FAQ. Donc qui arrivera d'ici quelques jours, voire peut-être une ou deux semaines, le temps de tout préparer. Donc voilà. Vous pouvez voir, voilà, j'ai vraiment été agressé à cause du rasoir. Je pense que c'est la lame, malheureusement. Donc je vais voir quand je vais recevoir les prochaines lames. Ouais, j'ai trop appuyé à son rôle. C'est pas grave. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications pour rater aucune vidéo qui arriveront par la suite. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon rasage. À la prochaine, ciao.